faire l'histoire, recours à l'histoire, c'est vous regarder la civilisation africaine pour montrer que l'Afrique connaissait des grandes civilisations. Vous venez de passer de Mali, c'était l'Empire Ghana ou plutôt de Mauritanie avant, ou au feu de fleuve, Niger, l'Égypte, l'Afrique. Donc la civilisation, c'est le fleuve Sénégal, c'est l'ancienne Ghana, le fleuve Niger, c'est Songhai. Donc autour de ça, nous avons des grandes civilisations qui pesaient. La vie du football, c'est une vie qu'on aime tous. Du moment où tu fais ce que tu aimes, je crois que c'est une bonne vie. Et c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup de plaisir en faisant ce que tu veux. L'amour des gens, parce qu'on en a beaucoup aimé. Donc franchement, c'est une vie que j'ai beaucoup aimé. En fait, ma passion pour l'agriculture, elle est née sur Internet. Je suis quelqu'un beaucoup sur YouTube et ma première passion a été les animaux, la poule pondeuse. Personne n'a compris ce choix. J'ai dit je vais venir faire la pondeuse au Mali. Même mon père m'a dit pourquoi la pondeuse. J'ai dit non, c'est un truc que j'aime. Et même mes amis, personne n'aurait cru que voilà que j'allais le faire. Et je suis venu, j'ai fait une maison dans la ferme et j'avais mes poulaillers. Et j'ai senti le désir de faire quelque chose, des plantations. J'ai commencé par l'oignon. Et ce qui me plaisait, c'était le fait de me réveiller chaque matin, venir dans la plantation, couper deux bousses d'oignons et préparer, faire mes omelettes avec. Et de là est parti cet amour, j'ai essayé de faire la tomate. Et sur YouTube encore, je faisais encore plus de recherches, j'ai découvert l'agriculture biologique. Donc je me suis dit, pour ma santé d'abord, parce qu'aujourd'hui on sait que les maladies qui viennent aujourd'hui, tout est dû aux produits, comme les engrais, comme les pesticides. Donc essayer de les éliminer pour avoir une meilleure vie. Et vu que c'était personnel, et après, c'est de là où est parti cet amour. Donc, et puis, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. J'ai vu beaucoup de centres comme Songhai. Je suis allé faire des formations. J'ai fait 6 mois à Songhai. Et de là, mon amour n'a cessé de grandir pour l'agriculture biologique. Songhai, c'est un espace où on devient écologiquement conscient. On développe la conscience écologique. Pourquoi le monde, comment le monde fonctionne. Ces premières composantes de Songhai, et on appelle ça en anglais ecological literacy, comprendre ce que se passe. Le continent africain, qui est un très très vieux et qui est la terre mère de l'humanité, donc une très vieille terre, porte à l'heure actuelle la génération la plus jeune de l'humanité. Dans les années qui vont venir, la population africaine, la jeune population africaine, parce que la population jeune africaine, c'est plus de 50%. Donc nous sommes en voie d'être le continent le plus peuplé de l'humanité. S'il n'y a pas de conscience écologique réelle, dans les années à venir, avec la population qu'aura le continent africain, l'Afrique mettra en danger le reste de l'humanité.
urban centers are growing, some growing at a rate of 9%. So this means that a lot of people are leaving the rural areas into the urban areas. And labor in the rural areas is highly reduced. We have situations where the old farmers cultivating less and less area because they cannot have enough labor for production. They say a hungry man is an angry man. If you are in the urban area, you don't have a job, before long, you will get into crime because you must survive one way or the other. Without some paying job to take care of yourself or to take care of your family, then you find people forming gangs where they have to go and steal. And sometimes in the process, lives are lost. So a lot of crime goes on there. And most of the time, you will find out that this gangs of criminals are made up of youths who left the rural areas into the city, hoping that they will get jobs, and they are either not trained for the jobs that exist, or the jobs are not there. Notre jeunesse est devenue très, très matérialiste. Notre jeunesse regarde trop la télé. Notre jeunesse veut s'occidentaliser. Et notre jeunesse s'est oubliée. Que nous sommes des gens qui consommons sans prendre conscience de ce que l'on consomme, de quelle manière on consomme, pourquoi on consomme. Non, nous consommons. Donc nous le faisons sans conscience. Et cette consommation, comme partout ailleurs sur notre terre-mère, on consomme, on jette, on consomme pour consommer, on a telle chose qui est cassée, on continue à consommer. Et à aucun moment, il y a un moment, un point d'interrogation pour se dire quel est mon impact au niveau de mon environnement. Il faut qu'on s'intéresse à l'agriculture d'abord, parce que l'agriculture, c'est vraiment la base de tout. Parce qu'une personne qui travaille dans un bureau, il mange. Une personne qui travaille dans un champ, il mange. Une personne qui est chauffeur ou bien qui conduit un truc, tout le monde mange. Donc ça veut dire que l'agriculture, c'est important puisque tout ce qu'on mange vient de là. Moi, j'ai appris il y a quelques temps que 75 ou 76% de la planète est couverte par l'eau et que 24% c'est la terre et que c'est sur ça que nous on vit. J'imagine quand la nature va se fâcher. Quand la nature va se fâcher, alors elle va nous balayer. Elle va nous balayer comme les dinosaures ont été balayés. Je ne souhaite pas. Mais si on ne fait pas attention, je pense que la planète court un grand danger et nous avec. Thank you.
The rural areas is where the food is being produced. So if people are leaving the rural areas into the cities, then we have shortage of labor in the rural areas. Only the aged population are left there. They can no more produce that much food to take care of the urban areas. We are really facing a crisis situation if nothing is done to encourage people to stay in the rural areas and encourage people to keep producing. Moi, j'ai grandi dans un petit village du nord de la Côte d'Ivoire. Et le petit village s'appelle Béléba. Et j'ai grandi là-bas, je suis allé là-bas, j'avais 10-11 ans. Et tous les week-ends, les samedis et les dimanches, j'allais au champ. Samedi, j'allais le matin et j'avais l'après-midi pour moi. Mais le dimanche, j'allais toute la journée. Et donc, mon oncle qui était au village, il faisait du maïs, du riz, du mil, de la patate, du manioc. Il avait 3 femmes et chaque femme faisait son jardin. Donc les femmes faisaient l'oignon, le piment, tout ce qui va dans la sauce. Donc ça fait que pour nourrir 15 personnes, mon oncle ne dépensait pas beaucoup d'argent puisqu'il y avait tout à la maison grâce à la terre. Donc c'est comme ça que j'ai vu l'importance de l'agriculture. Of food sustainability is quite a complex concept, so to say, because we are talking about food systems. So first of all, we have to think in terms of food systems, and that means bringing all the aspects of food system from production to consumption together. And then you also have to think of the various actors that are active in the food system. So it's not only the farmer or the retailer that is selling the food or the consumer, but also you have to think in terms of gender perspectives. So in terms of sustainability, it's the ability of that a particular food system of focus to be able to contribute to sustainability as we understand it, as the ability or the capacity to produce healthy and nutritious food for current generations while at the same time not having adverse effects on the environment, and also thinking about the future generation that we can also have an environment where they can produce their own food. On sait sur le continent africain que ce sont les jardins de femmes, ce sont les femmes qui produisent la plus grande majorité de la nourriture. Même si aujourd'hui ça passe entre les mains des hommes, mais à l'origine, ce sont les femmes qui cultivaient en grande majorité pour assurer la pérennité de la nourriture dans les villes, dans les villages. Ah.
Until recent times, indigenous knowledge has always been looked at as a non-science. But with my scientific background in agriculture and natural resources, every now and then I encounter science in what indigenous people try to do. It might not be a perfect science, but there's always a scientific basis for most of the things that they do. For us, the most important focus is food sovereignty. Because if you focus on food sovereignty, then the issues of culture, of a people's worldview, of a people's life wealth becomes very important. They become central to your research. Because you can only attain sovereignty by allowing people to own the process of whatever you are doing. And by owning it, they see themselves reflected in those processes. So for us, culture has been very important. First of all, it helped us to clearly understand what is meant by food for the people. Not food as described in calories or in energy and this, but what is real food? What is culturally acceptable food? So if you do it only on a calorie basis or energy basis, you end up with an energy availability maybe in excess, but the people might still be not sufficiently fed because they have the attributes of food. So hence, we've been supporting them to make this expression clear and to develop those foods that they think they are important. And one thing we do is supporting them in the production and then organizing food fairs so that they can exhibit their traditional foods and feeding. So that is how the culture part has come into play. So they define the food, they define the production systems, they define the processing, and they even define how it is finally developed into what we take as nourishment. So you see that there are various combinations, various recipes that are different from the conventional recipes that you think about. And sometimes you might think that their foods are not balanced, but for them it's very well balanced. Innovations in the food systems, and innovations, they come mainly from research, but not only, they also come from practice. But research is very important because you can then spend time, you know, looking at a particular challenge, analyzing the problems, and then trying to identify solutions to the problem, be it in terms of pest or be it in terms of environmentally friendly farm management practices. But you need time for that, and this also then needs to be translated or exchanged with the society. So one could do that through transformative approaches, in the sense that you co-design the problem with the local communities, with the land users, so that at the end of the day, you're sure that at least part of it will be adopted by the people. Kolomani,
ni mama ni bi chike no ka do yero fara no du ko ni sa ni ma no ka do kika fu ni oti na du ko se gana amma na bana ni angre rete ani oti sa. On a essayé de faire parcelle avec glycidia et de parcelle sans glycidia pour voir l'effet direct de la technologie dans les différentes parcelles. Donc c'est pour avoir les technologies pour les producteurs qui permet de résoudre leurs contraintes et assurer leur sécurité alimentaire. Voilà, c'est un calendrier d'avoir abouti. Engrais, I'm going to go to the house. Djangoni ko nyinyini ko do a barara ko senga to ko djija fa nganyini ka se ka do ko do golla ko abdi ko lukku senga ko na manyini senga befe te ka djija ka adonondu ka do golla le na tora abana fansoro. Across West Africa there is this new phenomenon of farmer grazer conflict where farmlands are being destroyed by nomadic herdsmen, and this is partially tied to high population density. Available land for cultivation has reduced, and then also with the climate change, the dry season is getting more severe, so the grazers need to take their cattle lower down to the forest areas in search for food. So when this is happening, there is a lot of conflicts along the path of the movement of these grazers. In the end, farmers are not safe in their farmlands because sometimes the conflict even results in loss of lives and whole villages are being razed down. Quite far in West Africa in terms of food sustainability, because in many areas of West Africa we don't produce enough food for own consumption, for example for internal consumption, so a lot is being imported. Crops like yam, like cassava, you cannot import them. Nigeria produces more than 60% of world production of yam. If they don't improve on productivity, where can they import from? This is really a crisis situation for the average Nigerian who feels that food is yam. Yam is one of the most important economic crops in West Africa. If we take a case like Nigeria, where they produce more than 60% of the crop, it is after the farmers sell their yam that they can carry out major projects, capital projects, construction, buying of vehicle, marine, and things like that. L'igname, c'est une plante qui est vraiment traditionnelle. Toujours est-il que c'est une plante qui a une très forte connotation culturelle. On utilise les ignames pour des rites traditionnels et également pour demander la main d'une femme. Par d'autres peuples, lorsqu'on veut demander la main d'une femme, il faut être en mesure de montrer qu'on peut cultiver des grosses ignames. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de cultiver des ignames et produit des ignames de grande quantité n'est pas considéré comme un homme capable d'entretenir une famille. Donc, peut-être que ce monsieur ne pourra pas avoir accès à une femme dans cette culture-là. The YAMSIS project really came into being because of the rate of degradation of the environment that is caused by yam cropping systems. Farmers
they cut down the vegetation to prepare the land for planting. Then they will plant at very wide intervals, having low plant population. They will cut down another portion of the forest to get the sticks that they use to stick the yams. And yam being a very heavy feeder, it removes so much from the soil. So farmers have to constantly move from one place to the other to get more and more fertile soils for cultivation. Lorsque le projet est arrivé à Léo, les producteurs ont voulu nous mettre au défi parce qu'on leur a demandé un espace pour implanter un essai où on va mettre en place les différentes stratégies de gestion de la fertilité des sols. Ouais, mangali yam si sunti ko san o barnaba den varpia wenten wendim pen pia wa den ko no varpia ban banan wenten wen vala yam si sunti ko shi ko barnaba de no ma sene den varpia bola mama ben wanan bol ne bela belo ko shi ko panaba den varpia ti yebe de banana waya pi balan din ya varsia so ja balta ja vara pamana so ja balta ja vara wondo mama ou bien ko na var piara we pian vari le var piata we selen di piarwa we sanana di piarwa we pamana ta din ken piarwa to ya ta chuka. Ça va être la deuxième récolte qui va servir de semence. Most of the increase that we find in production has been due to increase in the surface area of production and not increase in yield. We have improved varieties. If grown in good soil conditions, you can have between 40 and 50 tons per hectare. But the average yield from the farm is still around 8 to 10 tons per hectare. So if we can have a situation where the same piece of land can be cultivated for several years and we maintain fertility in that piece of soil, then it will stop deforestation. Well, it's also about the issue of policies, you know, that you don't have the structure, policy, and the institutions and norms that support farmers or support land users to adopt sustainable land management practices. So by sustainable land management practices, these are practices that ensure production or productivity, but at the same time maintain environmental or ecosystem processes. If we go to the Guinea savanna and the Sahel savanna, then it's an issue of deforestation. And then if lands are bare, then first of all, you have the rain, the periodic rains that occur that erode the topsoil. And then since vegetation does not regenerate as fast as that, then you already start have the beginning of degraded lands. And this takes a lot of time to be able to rehabilitate such lands, a situation where that land is able to provide ecosystem services, be it in terms of biomass or be it in terms of maintaining soil life and so on. Production will start from the soil, and most of our soils are not fertile. We have the soils, but they are not fertile. So how do we ensure that we are able to fertilize our soils? Several solutions. Subsidized fertilizers, inorganic fertilizers, let the farmers use, or let the farmers use those things that are in their communities that could enhance long-term fertility of the soils.
Soil fertility decline in the tropics, especially in Ghana, is a great concern. Through these projects, we've been able to create awareness to the farmers about the importance of the empty food bank. That's the residue after removing the nuts from the fresh food bank. And also biochar, which is the carbonation of the rice husks. And they're also using the cocoa pod husks and the empty food bank to prepare compost. Hitherto, all these materials were discarded. They were not being used and of no importance. So through this project, all these organic resources have been made known to the farmers to be very, very important in improving the soil fertility in an environment. An acre of land, I got the yield to be 6 bags of maize. But when Prof came introducing this one, I got to know that I got 18, 19 or 20 at an acre. Since then, I've never used the inorganic again. I'm always using the organic fertilizer. These materials are very common in our environment, but mainly people don't find the use. So I want to look at the economic importance and also finding suitable ratios of these materials. So economically, the farmers will now save money in adding fertilizer to their field because these are organic sources which add nutrients to the plants. Naturally, it is also environmental friendly, and in terms of moisture retention, is good for the plants. Mama ho se e bo ame sense me na miniska de to fertilizer na nkasa nti we ni ba na mama ni je ho nti mi yire me ho e de ma ho odin e ye kakra metumi aye bo ame bebre nti me ho se mfaso wo so se me kire afoforo so na omo so aye nti no na me guso a me kire afoforo se we ni ama we ye tugu ye ntom aye wa ha nti we ni ska kra no a o yire ho na o so kakra de ho de so kakra e be ma wo no ba no aye. 2017, when the National Farmers Association came to my farm, they saw that I was doing very good. They saw the maize there, and they saw that it was very, very good. So I was selected the best regional farmer in the Eastern region. Even I've taught 15 people how to do it, and they are doing it on their farms. Ceux qui font le conventionnel, il faut payer l'engrais, il faut payer les pesticides, il faut payer tout ça. Mais dans le bio, c'est toi-même qui le produis. Donc pour moi, c'est déjà une économie. Parce que de partir, si sur un hectare, moi j'ai 12 hectares, s'il faut payer l'engrais, il me faut combien? Il me faut au moins 1 million pour pouvoir marcher. On parle de 1500 euros. Moi, c'est avec le bio, avec mes résidus de récolte, les résidus des fientes de poules, j'arrive à mon compost. Donc j'arrive à nourrir mon sol avec. Donc ce qui fait que j'économise déjà un truc. Et ça ne détruit pas mon sol. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ouais, le conventionnel est rapide, c'est rapide, ouais, mais ça détruit ton sol aussi. Parce que la première année, tu auras un rendement, mais après, au fur et à mesure, ça va baisser. Or, avec ton compost bien entretenu, très bien entretenu, avec tes rotations de culture, ton sol, il est toujours prolifique. Donc, tu peux tout faire et tout va toujours marcher. Et tu économises aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inconvénient. Beaucoup disent que c'est un peu plus long, mais moi, je trouve que c'est la même chose. Beaucoup disent qu'il y a plus de rendement. Moi, je crois que le rendement, il est pareil avec le bio. Mais c'est les gens qui n'arrivent pas à faire la différence, quoi. Le bio, c'est naturel. Le bio, ça ne provoque pas de maladie. Le bio, c'est la santé. Donc moi, je fais l'agriculture bio parce que je voulais montrer aussi l'exemple. Au début, beaucoup de gens m'ont dit que je suis fou. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, mais toi, tu es normal. Footballeur, quitter le footballeur
agriculteur. Mais après, franchement, c'est une vie où on se plaint. Tu sais que tu es en contact avec la nature, tu ne manges pas n'importe quoi et tu fais ce que tu aimes. Donc, pour moi, déjà, y avoir la santé, c'est le plus important. Donc, dire que je vais encore aller payer des produits, ce machin, qui vont donner des maladies, automatiquement, j'ai senti ce dégoût. Dans les années 60, les dirigeants de notre pays ont voulu faire de l'agriculture moderne. Et donc, ils se sont lancés dans ce qu'ils ont appelé la modernisation. C'était la reproduction de l'agriculture apprise dans les universités, dans les écoles. C'était l'agriculture du Nord. Et donc, il y a eu une décision politique. Et on a envoyé des vulgarisateurs dans les campagnes pour dire quoi? Il faut semer en ligne. Lorsque vous devez faire un champ, il faut couper les arbres pour avoir de l'espace. Et puis, si le sol ne répond pas, il faut utiliser les produits modernes d'activation du sol. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à introduire des pratiques dites modernes avec des choses comme les intrants chimiques de synthèse qui progressivement ont atteint un niveau d'importation énorme. Le problème avec les pesticides, c'est que nous avons généralement des pesticides ici chimiques. Les utilisateurs ne savent pas les utiliser. Et quand bien même tout ça est bien fait, on a toujours un problème résiduel qui est là, un problème environnemental. Et le gouvernement et même certains agriculteurs, ils vont vers le profit, ils vont vers la grande production et ils ne se soucient pas de la santé. Je pense que la meilleure manière de vivre, c'est peut-être vivre longtemps et en bonne santé. Et donc, si vous voulez manger et vous rendre malade à travers la nourriture, je pense que c'est quelque chose de très grave. Tout récemment, dans le mois d'août, on a vu toute une famille qui a été décimée par l'utilisation de ces produits chimiques. Donc 12 personnes d'une seule famille sont décédées pour pouvoir consommer des produits qui ont été traités par les pesticides chimiques. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix avec tout ce que nous mangeons aujourd'hui, des cancers, des diabètes, des tensions, des infections urinales, des maladies qu'on n'a jamais connues par le passé et qui sont en train de faire des ravages au sein de la population, et paysanne comme au sein de la population de consommation. Donc nous devrons revoir notre façon de produire, aller à le naturel, faire en sorte que les éléments que nous, puisque nous représentons que 0,1% de la planète en tant qu'être humain, nous devrons interagir en toute intelligence avec les autres espèces sans les nuire, sans pour autant les détruire complètement. Avec l'agriculture conventionnelle, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et l'agriculture conventionnelle contribue à hauteur de 23% au réchauffement climatique. Donc, est-ce que nous devrons aller comme un aveugle, comme quelqu'un qui est sourd, juste produire pour produire et se retrouver avec quoi? Au final, l'objectif n'est que de détruire la planète. Donc il faut aller avec la durabilité, avec le respect du vivant, la biodiversité, pour qu'au moins les générations futures qui vont venir puissent avoir au moins la terre comme nos grands-parents nous ont laissé. Ça serait vraiment égoïste, très égoïste, de produire juste pour remplir les ventes et laisser des pauvres, les futures générations affamées, parce que juste nous on veut survivre. Alors qu'on peut, rien ne nous oblige à produire beaucoup plus et laisser des terres infertiles, des terres ravagées, des terres acidifiées. Je pense qu'il est temps de revoir les choses. C'est dans ce sens que l'utilisation de l'huile de neem comme pesticide trouve tout son sens, parce que c'est un produit qui est naturel, qu'on trouve sur les arbres. Juste les graines des arbres qu'on enlève pour presser et extraire son huile. Son utilisation ne présente aucun danger pour le producteur lui-même d'abord et ensuite pour l'environnement, parce qu'il faut noter aussi que les insectes ne sont pas tous nuisibles pour l'environnement. Il y en a qui sont intéressants en ce sens qu'ils contribuent à la pollinisation
et tout ça là. Donc l'huile de neem ne va pas combattre tous ces insectes. Il va les repousser, il va les empêcher de se proliférer dans les champs. Donc non seulement on protège les champs, mais également on préserve la biodiversité. Le défi du monde aujourd'hui, c'est la dégradation de l'environnement, c'est la pauvreté et l'emploi. I think food covers many aspects of the SDGs, from no poverty to climate action or life on land. So it's really a complex topic to look at, but it's very important because many things are interconnected. L'Afrique est le plus riche du monde. Donc il faut, pour rayer la pauvreté, il faut qu'on commence à regarder de près ce capital, capital environnemental, les insectes, les mouches, les algues, et les bactéries, et les micro-organismes, et tout ça ensemble. La recherche pour le développement dans le cadre de l'IFOA consiste à travailler ensemble avec les producteurs. Donc, si on les intègre dans le processus de développement, ils adoptent beaucoup plus facilement ce qui est mis à leur disposition plus tard. Prends par exemple le cas du Bénin. L'économie du Bénin est basée sur l'agriculture. Et quand on dit agriculture, c'est production végétale et production animale. Le fait de développer les asticots, automatiquement, on n'importe plus la farine de poisson. Ça fait que les devises restent dans le pays. Et l'importance économique de l'utilisation des larves de mouches dans l'alimentation des animaux consiste à ne pas utiliser les intrants qui sont achetés dans les lieux de fabrique d'aliments pour bétail, tels que la farine de poisson, le son, le tuto de soja, ainsi de suite. Les paysans ont même la possibilité de produire les sources de protéines et de mettre à la disposition de leurs volailles à partir des ingrédients qu'ils ont sous la main dans leur village. On a fait une petite cage riagée et on a mis... Et j'avais mis les pulpes dedans. Quelques jours après, j'ai constaté que les mouches ont commencé par sortir. Donc, j'ai déposé et le substrat et avec les feuilles, et les mouches ont commencé par donner des œufs. Donc, c'est de là que j'ai commencé les multiplications. Et nous, soldats, nous pouvons comprendre cette mouche qui, d'abord, elle n'est pas nuisible à l'homme. Et nous avons, avec cette mouche, des larves plus grosses que celles de notre mouche domestique. Une seule mouche peut pondre jusqu'à 100 à 200, voire même 1000 œufs au cours de son cycle. Et avec cette mouche, nous sommes, en tant que, nous pouvons aider les éleveurs à avoir une quantité importante de larves pour pouvoir nourrir leur cheptel en si peu de temps. Et au Burkina, nous travaillons sur les larves de mouches, encore appelées asticots, et les termites dans la nutrition de la volaille. On attend 2 ou 3 jours, on a beaucoup d'asticots. Et ce qui est avantageux, on ne dépense pas pour avoir ça. Puisque la matière même se trouve avec nous. C'est comme on avait une bonne chose à côté de nous qu'on ne savait pas. Voilà. On n'a pas besoin d'aller acheter la matière ailleurs. On a tout avec nous.
Songhai est un laboratoire, une transition vers une autre agriculture génératrice de l'emploi, pas extraction de la richesse, génératrice de la richesse. Beaucoup de richesses extraites, quand on fait l'extraction, on laisse la pourriture là. Donc pour nous, il faut générer pour que ça soit bien partout. Regardez, tout vraiment plein de... Vous voyez ce que ça passe? Voilà tout ça, on attire les insectes. Les mûcherons viennent ici, sinon ils vont nous attaquer, all the mosquitoes, all the sunflies. Instead of biting us, because this is richer for them than our blood. Il y a trois pôles. Production primaire, intégrée. Vous avez la pisciculture, vous avez l'élevage, vous avez production animale, tout intégré. Les déchets d'une section deviennent les intrants, qu'on appelle ça zéro. En anglais, zero emission research unit, zero perte. Il n'y a pas de choses. C'est comme ça la nature. Là, nous sommes au niveau de l'élevage des poulets de chair. Là, nous faisons le levage sur les pilotis, c'est juste pour mieux récupérer les fientes. Donc, pour mieux récupérer les fientes, nous mettons les pailles en bas. Les fientes tombent directement sur ces pailles, et puis après, on récupère les pailles et les fientes qui servent maintenant à faire du compost pour fertiliser le sol au niveau du jardin. Mais pour nourrir ces poulets, nous produisons de la provende. La provende, c'est un mélange de céréales fabriquées, mais en tenant compte aussi les éléments nutritifs dont ces sujets ont besoin pour leur croissance, pour leur nourrir également aussi. De deux, si nous mettons les arbres un peu partout, c'est que les arbres leur libèrent de l'oxygène. Au retour, les arbres absorbent le gaz carbonique. Imaginez que nous faisons l'élevage de poules seulement. Tu vas aller loin chercher votre ici. Les déchets, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Donc ça devient beaucoup de l'élevage, sont tellement mauvais. Mais vous êtes passé aujourd'hui, n'y a pas l'odeur, parce que tout est recyclé. Et c'est ça l'efficacité, c'est ça la base de durabilité. Et chaque jour, Songhai est plus productive, est plus durable. Et la terre est plus fertile chaque jour. Au lieu de créer l'entropie, on crée la syntropie. C'est comme ça, c'est ça. Le bénéfice de l'intégration, du biomimétisme. Et c'est un projet africain qui devient un modèle d'agroécologie. Comme vous avez vu, on produit plus. La qualité de production est extraordinaire. La productivité partout, toute l'année on produit. Depuis l'irrigation, depuis tout ça. Mais commencez par le sol. Le fait que le sol devient vivant. Le sol n'est pas mort. Le sol est vivant. Donc Songhai a réglé le sol, avec ça on produit n'importe quoi. Sans odeur, d'accord? Qui a l'odeur du sol dans un forêt, l'odeur de l'humus. Compostage, c'est un endroit où nous recevons les matières organiques de différentes unités au sein de Songhai ici. Donc notre système intégré nous permet d'avoir toutes les matières premières dont nous disposons. Le jardin nous envoie les herbes indésirables, les fruits gâtés, mais les fruits non mûrs. La production animale m'envoie les fientes, la litière. Je reçois de la transformation, la cendre, les plumes, les cartons, tout ce qui est biodégradable. C'est ça que nous valorisons ici afin d'obtenir le compost. Et nous suivons un processus. D'abord, nous sommes en phase ici d'un compostage aérobie, c'est-à-dire un compostage à l'air libre, en présence d'oxygène. Donc, pour faire le compost, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, nous faisons un cercle, et la première couche que nous mettons dans ce cercle, c'est la matière d'origine végétale. Et la couche, l'épaisseur de cette première couche que nous appelons le lit du compost, ça varie entre 15 et 20 cm. Et après ça, nous arrosons, d'accord? Et la deuxième couche, c'est la matière d'origine animale. Les fientes ou la litière, d'épaisseur 10 à 15 cm. Et nous arrosons toujours parce que nous devons savoir que les paramètres pour obtenir un bon compost, nous avons les matières premières, les micro-organismes, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'air, de la chaleur qui se passe à l'intérieur de ce même tas. Les couches les unes après les autres. Matière animale, végétale, les plumes, les cartons, la cendre, jusqu'à ce que le tas parvienne à une hauteur de 1,50 m.
Et lorsque le tas parvient à cette hauteur, nous couvrons ce tas. Vous voyez, nous avons les branches du palmier ou les nattes. De l'autre côté, nous avons les lianes de melon, de pastèque ou de la patate douce. Étant donné que les micro-organismes responsables de la décomposition des êtres vivants aérobies, la plupart d'entre eux, les champions, les bactéries, ils sont des êtres vivants aérobies. Donc ce sont eux qui font bien le boulot, d'accord? Et les retournements chaque mois, ou lorsque vous avez une main de disponible, vous pouvez votre retournement chaque 3 semaines. Et après ça, vous avez maintenant un produit fini, qui est le compost, que vous pouvez utiliser. Non seulement c'est un fertilisant, mais ça permet également de modifier la structure du sol. Parce que le compost, ça fait à quoi? Ça nourrit le sol, et c'est le sol qui nourrit les cultures. Passer de l'agriculture, on va à l'industrie. Vous avez vu l'industrie là. L'Afrique exporte la richesse, importe la pauvreté. On a changé ça. Si nous voulons changer de paradigme, il faut oser s'avancer sur des espaces que l'on a mis de côté parce que le monde de la finance, de l'économie, a décidé que ce n'était pas des valeurs porteuses. Voilà, et l'agriculture biologique, ce qui me plaît, c'est que ici, je compte 30 employés. Le fait de nourrir les familles, je sais que tous mes employés, je les nourris avec ce que je produis sur place. Donc, on sait ici, l'eau, elle est de qualité, la nourriture, elle est de qualité. Et on sait ce qu'on produit. Donc, je sais que moi, s'ils sont là, ils mangent bien, ils savent qu'ils ne mangent pas des pesticides, ils ne mangent pas. Et dans le bio, dans l'écologie, c'est ce qui est bien. C'est vrai, tu gagnes à quelque chose avec. Mais le fait que tu donnes aussi de la santé, parce que le bio, c'est la santé. C'est pas les pesticides, parce que ça ne sert à rien de payer un truc au marché parce qu'il est moins cher, parce que c'est bio, et aller dépenser des centaines de mille pour les médicaments. Donc on dit d'abord, le premier traitement d'abord, c'est l'aliment qu'on mange. Et quand tu manges bien, et déjà tu es en santé. Donc pour moi, c'est le plus, c'est le capital, quoi. C'est la base dans tout ce qu'on fait. C'est le premier élément, c'est qu'on va s'engager, changer la mentalité, le regard sur la nature. Ce n'est pas un monde comme des machines. C'est un monde systémique, extrêmement relationnel. C'est ça la première conviction ici à Songhai. Deuxième, on utilise cette nouvelle voie, vie, nouvelle manière de faire pour construire de nouveaux outils, la technologie. On appelle ça la technologie authentique qui découle de cette nouvelle vision écologique. Là, nous sommes au niveau du système d'épuration bête. Là, vous avez la douche et le WC toutes combinées. L'eau issue de la douche et du WC sont purifiées par la jacinthe d'eau, puisque la jacinthe d'eau se nourrit sur les déchets nutritifs qui sont dans l'eau, qui leur permettent de remuer leurs feuilles. À chaque fois qu'ils sont en train de remuer leurs feuilles, ils purifient l'eau. L'eau purifiée sert maintenant à faire le levage du poisson. Ça peut aussi servir à arroser dans le jardin. Mais au retour, nous prenons ces jacinthes d'eau mélangées avec les fientes des porcs qui sont maintenant produit le gaz, le méthane que nous utilisons également. Everybody eats every day. So we feel like the best way is to see agriculture back as our backbone of the economy and strengthen more our mindset in that aspect so that we can change our paradigm shift. Like somebody will say, because I've been to the university, it's not necessary for me to go to the farm. But farming doesn't only limit to the weeding and hoeing, but it also goes to the whole systematic approach from the business aspect, agro-business, and adding value to our natural resources by packaging them, branding them in a way that they can have a long span time on the shelf. So that if they are perishing groups, we have to think of how we can solve the post-harvest loss system. Songhai produit des cacao, on le transforme ici, on le commercialise. Si vous mangez notre chocolat, glace de chocolat extraordinaire. Donc on produit ici, on transforme ici, on le commercialise ici. Donc vous voyez. Et c'est ça le modèle que nous voulons faire. Donner la valeur ajoutée au lieu d'exploiter. Comme ça, la richesse reste dans la communauté.
à l'Association malienne pour la solidarité et le développement. C'est aussi un centre de formation pour les gens, pour les jeunes qui veulent se reconvertir à l'agriculture biologique. Ça, c'est du tomate cerise associé avec du basilic. Parce que dans l'agriculture biologique aussi, on encourage beaucoup l'association de cultures. Vous voyez, il n'y a pas d'attaque dans les tomates cerises. Parce que les mouches qui attaquent la tomate cerise n'aiment pas l'odeur du basilic. Donc d'où leur association. Le système participatif de garantie qu'on appelle SPG est une alternative des méthodes de certification des produits agricoles bio. L'association malienne pour la solidarité et le développement est membre de l'IFOM organique qui est basée à Berlin, qui est la Fédération internationale des mouvements des agriculteurs biologiques. L'objectif, c'est de garantir la qualité des produits issus de cette pratique agricole dont les consommateurs ne sont pas forcément dans les champs pour voir est-ce que ça a été produit normalement ou comment ça a été produit. Donc nous jouons le rôle d'intermédiaire entre les paysans et les consommateurs pour garantir la qualité de ces produits. Les paysans nous demandent, mais quelle est la garantie pour moi si j'adhère à la production bio? C'est vrai, je le fais pour l'environnement, mais qu'est-ce que moi, en tant que paysan, j'y gagne? Donc nous, on a essayé de voir, de mettre une différence de prix, au moins 25% par rapport au prix local du marché. Et nous accompagnons, nous avons une initiative aussi de faire des marchés à Bamako ici, des marchés bio, uniquement bio, 100% bio, avec nos différents membres qui sont dans le SPG. Donc l'idée, c'est pour que les consommateurs puissent savoir là où on vend les produits bio. L'esprit même du bio est basé sur l'équité. L'équité, l'économie solidaire, que les paysans ne soient pas perdants de son travail. Parce qu'il y a beaucoup de systèmes qui permettent aux paysans de ses fruits, ses efforts sont éparpillés. Il n'a pas forcément les prix justes auquel il travaille, et ça met mal parce que s'il faut produire bio et être payé au même prix que les produits conventionnels, donc c'est un facteur qui décourage beaucoup. Donc nous sommes en train de travailler sur ça pour que les produits bio soient accessibles pour tout le Mali, et c'est possible. On peut se nourrir nous-mêmes, parce que beaucoup de gens se disent ouais, c'est dur. Non, c'est pas dur. Moi, on peut commencer petit. Moi, j'ai commencé petit ici. Moi, j'ai commencé à cultiver l'oignon sur un demi-hectare, juste une petite parcelle derrière. Et ce qui m'a grandi vraiment, c'est que j'ai eu une concurrence avec mon père. Lui, il a voulu... Au fait, il m'a vu faire un demi-hectare. L'année qui a suivi, il a fait un hectare. Il a vu que pour moi, ça marchait. Il a fait un hectare. Moi, j'ai dit non, il faut que je fasse 2 hectares. Et donc, au fur et à mesure, on perçait des boîtes. Il a fait 2 boîtes. Moi, je me cachais, je regardais quand il faisait. Il faisait 2 boîtes. Moi, je faisais 5 boîtes après en cachette. Et lui aussi, il me regardait. Quand il voit que j'ai fait 5, il faisait 10. Et donc, on a réussi à faire l'oignon sur 12 hectares. Et on a même allé louer des parcelles dehors pour pouvoir, parce qu'on avait trop de semences en trop. Donc, et de là est parti. Et on a vu avec ça, on se nourrissait et on arrivait à avoir pour les employés et on arrivait à avoir assez de stock pour pouvoir vendre. Donc, et de là est parti. Parce que beaucoup de gens me disent, mais comment j'arrive à faire tout ça? C'est difficile. Je dis, ouais, c'est difficile, mais quand tu es déterminé, moi, je ne vois pas que c'est difficile parce que je le fais avec amour. Quand tu as de l'amour pour quelque chose, tu ne sens pas parce que se réveiller à 6h, 7h, en train de notre champ faire. Quand tu as l'amour, tu peux le faire. Mais si tu n'aimes pas, tu ne le feras pas. Donc moi, je dis à toute la jeunesse, moi, je leur conseille, c'est le courage. Parce que moi, ici, j'arrive à me nourrir. J'arrive à nourrir 30 familles. Pour moi, c'est vrai, c'est déjà beaucoup. Mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir nourrir des villes entières aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, voir la famine qu'on a, voir les terres qu'on a aujourd'hui, et puis voir des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à manger, vraiment, c'est déplorable, quoi. Donc, on a créé une nouvelle culture de respect de l'environnement, et de c'est l'environnement, et ça crée une communauté d'égalité. Bien que je suis chercheur, je suis producteur, je suis paysan et tout le monde. Donc j'ai créé notre monde, le monde de la paix. Comme disait le grand maître Gandhi, sois le changement que tu veux être. Mais si nous devons changer de paradigme et si nous devons faire que nous mettions en place une écologie globale qui va faire en sorte que notre humanité et que notre terre-mère soient réellement un royaume d'amour, de paix, d'abondance positive, il est important que cette démarche, comment dirais-je, qui part de soi, cette démarche d'amour qui passe de soi, se manifeste et qu'on n'ait plus honte de le dire. Oui, nous devons avancer
en plein amour. Ce n'est pas une histoire de baba cool, c'est pas une histoire de rêveur, c'est une réalité, même si dans l'instant présent, actuellement, il y a très peu d'individus qui portent cette démarche. Mon point d'entrée vers l'agroécologie, ça a été en fait le rejet des organismes génétiquement modifiés. Donc pendant des décennies, j'ai milité avec les organisations de la société civile, les organisations paysannes du Bénin, de toute l'Afrique. Nous avons lutté ensemble contre les organismes génétiquement modifiés. Et à un moment donné, nous nous sommes dit, mais on ne va pas être dans la lutte que certains appellent négative tout le temps. Nous allons montrer que nous sommes des scientifiques et nous savons de quoi nous parlons. Donc c'est à partir de là que nous avons adopté l'approche agroécologique. Et nous avons montré qu'avec l'agroécologie, on peut produire tout autant qu'avec les biotechnologies. C'est une question de choix, c'est une question de volonté politique. In agriculture, we are thinking about seed banking, taking care of our indigenous seeds and keeping them. We cannot sit down for major organizations to create our seed for us so that anytime we want seed to plant, we have to go to them. Pour nous, la lutte contre les OGM, c'est tout simplement une lutte de survie en tant qu'Africain. Parce qu'en Afrique, nous avons une très grande diversité biologique. Nous avons même des plantes, des insectes, des animaux qu'on n'a pas fini de décrire. Donc aujourd'hui, on n'a pas besoin d'organismes génétiquement modifiés. On peut très bien exploiter la diversité génétique qui se trouve dans la nature pour assurer l'alimentation, pour assurer tout ce qu'on veut dans le domaine de l'agriculture sans avoir recours aux organismes génétiquement modifiés. Donc nous, nous disons, la première des choses, c'est de valoriser nos ressources biologiques pour subvenir à nos besoins, pour assurer la souveraineté alimentaire et ne pas aller tout de suite aux biotechnologies. Nous n'avons rien contre les biotechnologies. Même nous, nous pouvons utiliser les biotechnologies aussi, mais nous sommes regardants sur quel type de biotechnologies nous utilisons. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est les questions des droits des communautés locales. Les droits des communautés locales. Parce que si ces ressources biologiques existent aujourd'hui, c'est parce que les communautés locales, les agriculteurs, les producteurs dans les villages ont assuré leur maintien. C'est pour ça qu'on les a aujourd'hui. Donc si les biotechnologies les utilisent aujourd'hui, il faut que ces biotechnologies-là permettent aux communautés locales de respecter, faire respecter leurs droits, eux aussi d'avoir le retour des profits. Je fais le tour de l'Afrique. Je fais Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Sud. J'étais bouleversé par la richesse de l'Afrique. Donc, je ne peux pas comprendre pourquoi l'Afrique extrêmement riche est devenue pauvre. C'est ça le commencement de Songhai, pour montrer aux Africains la richesse de la culture, la richesse du sol, la richesse du climat. Et le projet Songhai, c'est le retour à l'Afrique pour redécouvrir sa force, pour créer une civilisation qui est authentique, qui est durable aujourd'hui. Donc ça a commencé à l'université. En tant que jeune professeur, j'ai dit non. Ma place est revenue dans mon continent d'origine. Je suis venu ici, avec un hectare, avec 6 personnes. On a commencé à construire, à développer l'agroécologie fondamentale liée. Donc non seulement l'agriculture point de départ, mais le projet Songhai n'est pas un projet agricole. C'est un projet de la société, comme vous avez vu. C'est l'agriculture, l'industrie et les services, les 3 unités de l'économie aujourd'hui. Et c'est ça que nous faisons. Et c'est ça qu'on commence à voir. Ici, encore petit, c'est partout maintenant. Nous avons des centaines de jeunes qui ont appris ça, qui ont approprié ça. Et ça fait plaisir de le voir. Donc, quel est l'emblème de Songhai? C'est l'aigle. L'aigle. C'est un oiseau qui peut voir de loin, vision. Mais non seulement qu'il voit, l'aigle a une force de frappe et va aller. Donc, je cherche 2 éléments, valeurs, vision et courage, force de frappe. Donc, c'est une raison que j'ai choisi Songhai comme emblème, comme le signe de la renaissance africaine, avec 2 valeurs, valeurs de la vision et d'action courageuse. Si on peut mettre ensemble, l'Afrique pour relever. Quand l'Afrique va se réveiller,
ça va faire mal, 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 mal. Quand mon peuple va se réveiller, ils ne pourront plus l'exploiter. This thing could not be done by just a small group of people. And it's something the whole world, everybody must learn to understand this. If you cannot do farming as a big thing, at least you should do gardening behind your house. It should be something encouraging not to only farmers, but every person that eats and drinks. It should be something of importance that we can also share the idea of it shouldn't be only chemicals. If you live close by a farmer, at least you learn what we are doing here and then you teach that farmer if you cannot do it. But if you have the possibility that you can do it yourself, then you do it the right way. For me, OPC, it's like a freedom which has given me as an individual, because I have gone through a lot with life, and because of traditions and then tribal kind of, I have to really force my way out to really be there. But OPC has kind of unfolded my specialties, which I never even knew. But because of what I'm doing here, you know, I'm able to discover all these things about myself. And it has been really inspirational also to me. And the whole motive of our OPC is to combine cultures. It's about the people we are trying to connect, to bring them all on board, and then try to help the society which we find ourselves, which is Buzua, the first place we chose as our center. People are coming in and they have lots of ideas which they want to share, but the system here on the ground doesn't really allow them to kind of come out with what they have. They can also contribute to the progress of the community and at the same time, you know, the world as a whole, because we understand from it starts very little, but with how we preserve it and how we conserve it, you know, then it becomes like something built for all of us. But we are thinking of the communities of the world, because we all interrelate in a way. It's only languages and skin color that kind of differentiate us, but we all have the same inspirations. We all have the same kind of goal to make our homes where we are coming from kind of sustainable. Even when we are there or not, we want to see what we left behind is still going. Et j'ai dit à mon père, moi, aujourd'hui, je regrette pourquoi j'ai joué au foot. Il me dit pourquoi. J'ai dit, non, aujourd'hui, je me sens mieux à l'aise. Et tout le temps, je vais en Europe, chaque mois, chaque deux mois, je vais. Et mes amis me disent, mais comment est ta vie? J'ai dit à mes amis, aujourd'hui, l'agriculture, aujourd'hui, c'est plus pour moi que le foot. Et tellement mes amis, aujourd'hui, sont habitués, tous veulent devenir agriculteurs aujourd'hui. En fait, j'ai parlé avec cinq ou six amis récemment. Ils me disaient, ouais, ils veulent suivre mon exemple, ils veulent aussi venir vers la terre. Ils sont en train de penser à leur retraite, comment investir sur la terre. Donc il y a beaucoup qui veulent, qui m'ont même dit, qui m'ont contacté, ils ont dit ils veulent venir chez moi les vacances. J'ai dit pour moi il y a pas de problème, voilà, donc ils peuvent venir quand ils veulent. Et j'ai un autre ami aussi, on a joué ensemble au Gabon en équipe nationale et depuis l'école de foot. Et lui aussi il s'est intéressé à ça. Il a regardé un documentaire aussi sur une page, un groupe au Bénin qui sont les Jeunes de l'Espoir. C'est aussi un groupe, un camp agroécologique sur une semaine. Donc j'ai participé et il m'a vu. Il m'a appelé, il m'a dit, tu fais l'agriculture maintenant? Je lui ai dit, ouais, je fais l'agriculture. On fait venir des gens de tous les pays francophones d'Afrique qui veulent. Donc on lance l'appel et les gens s'inscrivent pour venir. Et nous essayons avec eux de parler, d'échanger sur l'agroécologie. Et nous faisons en sorte que, en venant, que les gens ne viennent pas pour venir bavarder et puis retourner. Ils viennent avec un projet. Ils disent, ah, je viens ici, mais quand je vais retourner chez moi, il faut que je réalise quelque chose. Le compost, c'est la possibilité de trouver un élément, disons pratiquement inexistant dans la zone de l'Atlantique, dans les sols. C'est le phosphore. Pour ceux qui s'y connaissent en agronomie, en tout cas dans cette zone de l'Atlantique là,
voilà, nos sols sont très dépourvus de phosphore. Donc, nous, il nous fallait trouver le moyen de produire du phosphore naturellement. Donc, ce que vous voyez là, c'est du phosphore en réalité. Comment on le fait? Je vous explique. Nous allons régulièrement chercher des os d'animaux, des ossements d'animaux. Ces ossements-là, nous les faisons calciner avec une combustion rapide dans ce bac qui est là. C'est une combustion qui dure environ 45 minutes. Après cette combustion-là, nous obtenons ce qu'on appelle du phosphonate de calcium. Et le phosphonate de calcium, ensuite, on le fait passer à une combustion lente en utilisant de la silice contenue dans les balles de riz. Et justement, ça nous permet de détacher le phosphore et le calcium. Donc, ce qu'on a là, c'est du calcium et du phosphore. Je vous ai dit qu'on fait de la recherche paysanne. La recherche, ça s'applique à tous les paramètres qui entrent en compte de la production. Vous avez vu, là-bas, c'est les intrants. Ici, c'est le facteur eau. Africana, ça, le Kigeli Africana. On voudrait aller loin, on voudrait qu'au Bénin, d'ici les années à venir, on puisse dire qu'on mange de manière saine au Bénin, que le Bénin soit autosuffisant, même par une agriculture qui soit écologique, 100% naturelle. Donc, c'est pour ça qu'ici, au sein de la FAEB, on essaie de militer, on essaie de faire des formations de sensibiliser. Donc, à la FAEB, c'est pas que des producteurs, parce qu'on prend des mouvements sociaux, des mouvements où on trouve toutes les catégories de la population. Donc, vous avez des producteurs, vous avez des scientifiques, des chercheurs, vous avez des ONG, vous avez des activistes, et vous avez des personnes qui sont des consommateurs, et toutes ces personnes qui composent quand même l'équipe de la FAEB. Que nous avons eu la chance, quand je dis nous, c'est Père Dia, Mère Dia et moi-même, de nous rencontrer il y a bien des années de cela et d'avancer donc dans une démarche réellement de conscience sur cette terre-mère, sur la nature, sur l'environnement, sur l'écologie. À un moment où sur le continent africain, c'était pas trop ça encore. Où pour la grande partie de notre humanité africaine, de nos êtres africains, ça pouvait même sembler être une démarche de régression. En disant, en matière d'agroécologie, je peux dire qu'en tous les cas au Bénin et dans un certain nombre de pays africains, sans parler du Burkina où l'aîné Pierre Abi, et ça a été vraiment la terre où l'aîné Pierre Abi, avec l'aide du président Thomas Sankara, ont réellement fait un travail profond à ce niveau-là. Mais les autres pays africains ne suivaient pas à l'époque. Mais depuis une dizaine d'années, nous pouvons voir, en tous les cas que sur la côte ouest africaine et en grande partie dans les pays francophones, il y a un travail qui se fait. Pour moi, ce travail, il est incomplet. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que la FAEB existe. La FAEB, c'est la Fédération agroécologique du Bénin. L'agroécologie, l'agriculture naturelle, celle qui est en harmonie avec la création, à ce que ce soit plus qu'une simple question de pratique agricole, mais que ce soit une transformation aussi du mode de vie. Une de nos sœurs nous disait, il y a quelqu'un en Europe qui fait ce travail, qui va de lieu en lieu parler d'agroécologie et qui a une ferme. Il s'appelle Pierre Rabhi. Donc, la question a été de l'inviter. Et nous lui avons écrit et il a répondu qu'il viendrait. Et comme son travail avait déjà eu un écho parmi tous ceux qui, au Bénin, aimaient l'agroécologie, eh bien, chacun s'est retrouvé ici, en ce lieu, avec Pierre Rabhi, pendant 3 jours. Et de ces échanges-là, est née cette décision de rester ensemble. Au Bénin, l'agroécologie devient une alternative vraiment structurée, parce que unis, nous sommes forts. Donc, on s'est additionnés les uns aux autres. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la Fédération agroécologique du Bénin peut fêter ses 10 ans. La Fédération agroécologique du Bénin, c'est comme un creuset pour le retour aussi de l'agriculture au Bénin.
c'est le gris décidia. C'est un arbre qui est dans l'agroforesterie. Il améliore le rendement du sol. Il est bon aussi pour les animaux. Donc, l'agroforesterie, on sait tous que ça aide beaucoup dans le processus d'agriculture. Il faut que les habitants de la terre prennent conscience. Parce que si on aime nos enfants, on doit tout faire pour leur laisser une planète propre. On doit tout faire pour leur laisser un endroit où ils doivent vivre pendant longtemps et tranquillement. Voilà, ça doit être notre raison de vivre aujourd'hui. When I'm here, the air around even speaks a lot. And then the serenity when you enter this system. You feel like life is real here. And there outside, you see nothing. It's the bare floor you see. But here, every soil is covered and there is no burning. There's no chemicals being attached. So you see alligators still now coming around, snails now coming. Because before, because of the chemicals, the snails were all like lost. But now we could see snails, we could see alligators coming to our small rivers, small streams within our land here. The agro system now, you see livelihood now kind of rebuilding itself. The first thing you start any entity with, you provide food. But the whole idea was the place should be from our experiences and then our practices we do. No? It should be like a vocational institution. We thought of doing the food stuff first. And then what we do in practicality to keep the thing running, you know, we use it as a demonstrational site to show, to teach, and then the farmers, and then the youths. Because the youths now always are thinking of going the fastest way, and then the cheaper way. But in the end, what they produce is something toxic, which they don't want to care about it. Because so far as the food is there, and then they can get their money, that's cool with them. But we are encouraging them to see the other side of it, which is the health side. And then the facility to teach the young ones and encourage them that they can come into farming, but not like the chemical way, but something organic, something pure that nature really wants. L'éducation est une priorité à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau des producteurs, au niveau de ceux avec qui on travaille, c'est de redonner sa vraie place à l'agriculteur, parce qu'il est l'homme le plus indispensable. Nous mangeons tous les jours. Et il fallait aussi transmettre cette fierté d'être du secteur rural aux enfants. Donc, à Ecologia, notre école, l'école endogénie jardin de la fraternité, dans le programme, l'agroécologie y est. Parce qu'il s'agissait pour nous de bien montrer aux enfants que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a un bic dans la main qu'on doit oublier ce qui est fondamental, la terre. Et eux, ils doivent donc savoir que leurs parents sont aussi des sachants.
C'est pas simplement admirer, lire la ville, mais c'est de savoir que la fondation, la base, se trouve à la terre, le lien avec la terre, la terre mère nourricière. Donc c'est pour ça que l'agroécologie fait partie du programme de cette école primaire panafricaine. Il y a d'autres matières aussi, comme l'histoire panafricaine, mais vraiment le contact à la terre, l'amour de la nature, de se rendre compte que ça, c'est une richesse. On n'est pas riche que de billets. On est riche d'un environnement, d'une nature, d'une culture, d'une utilité. On est utile à l'humanité. Et donc, voilà pourquoi, dans notre école, les enfants aiment aller à la terre et savent que l'agroécologie, c'est fondamental aujourd'hui. L'agriculture est une tâche sacrée. Et que donc, on met dans chaque opération, eh bien, un enseignement. C'est-à-dire, on peut, avec l'agroécologie, enseigner les mathématiques. Montrer qu'avec un grain de riz, on peut avoir un résultat, vraiment, 1 pour 2000 grains, par exemple. On peut montrer que l'agroécologie, que justement, nos plantes nous soignent. Nos plantes nous apprennent, tu vois, comment nourrir nos animaux. Comment les animaux aussi peuvent nous aider. Parce que dans l'agroécologie, ce n'est pas seulement l'agriculture, il y a aussi l'élevage. L'agroécologie, c'est un mode de vie qu'on a. On l'appelle agroécologie, mais on pourrait l'appeler, dans le futur, ce sera les cultures, disons, de l'Éden, nouvelle façon, tu vois. Parce que l'Éden, ça a été établi par le Créateur. Aujourd'hui, nous, les créatures, nous sommes censés prendre exemple sur le Créateur et maintenant proposer un modèle qui soit un modèle divin fait par les hommes. Vous voyez, c'est ça. L'agroécologie, c'est vraiment faire appel au divin à tous les niveaux. C'est-à-dire savoir que vous avez réponse avec la nature. L'agroécologie, c'est vraiment savoir comment additionner le tout, multiplier de façon naturelle et aussi partager de façon équitable. Quand on pratique l'agroécologie, on partage vraiment à tous les niveaux. Et comme ça, on n'a pas de contentieux. On n'a jamais de contentieux. Avec l'agroécologie, vous êtes toujours en harmonie totale, ciel et terre, voyez, eau et terre. Voyez, partout, vous êtes en harmonie. Parce que le divin est présent, la conscience est là, pour que nous sachions que, on doit respect, on doit vénération à la terre, à la vie dans les animaux, à la vie dans l'homme, à la vie dans l'environnement, à la vie dans tout. Bien, je crois que l'agroécologie nous permet aussi de nous définir. En effet, définir est-ce que nous voulons être par rapport à être et avoir. Nous voulons être. Notre priorité, c'est le bonheur. C'est ça qui est le but.
doit faire le plaidoyer en faveur de l'agroécologie.